Aujourd'hui, on part sur un serveur que je suis jamais allé. Je l'ai vu ce matin, je me suis dit... Ça peut être bien. Ça peut être vachement bien. Ouais. Moi, je sens, c'est... Je sens ou pas? Ça sent le claquage de fion, tu vois. Il y a moyen que ce soit... J'ai déjà commencé un petit peu avant de lancer. Donc j'ai un petit peu de clos, j'ai un peu de métal. J'ai trouvé une petite oxium bien sympathique. Avec des grosses bases à côté, il y a moyen que ce soit violent. Pif. Bon. Alors, petite oxium... Ah, bonjour, monsieur. Enchanté, Crocro, prêt à vos enquêtes. Peggy 18. Mais laisse-moi le temps quand même de... Il va pas être d'accord, là. M'en fous, lui, les gars, il a mon stuff de ce matin. Ce matin, j'ai réussi à bully des gens, vite fait. Et c'est lui qui m'a buté. J'avais réussi à looter pas mal de trucs sur eux. Raté. Lui, ça va être notre objectif. Raté. T'inquiète pas, frère. Je vais te bully. T'es pas prêt. Ton cul, ça va être mon autoroute. Mais je peux pas monter, là. Ah, y'a un monsieur qui t'appelait Tonneau, merde. Bonjour. Ah, merde. Bonjour. Bon, ce qu'on va faire. Je m'en vais. Vous me laissez tranquille. Ok. J'ai pas encore d'arbre. Ok. Laissez-moi tranquille. Mais arrête. Ça va 5 minutes. Je suis caché. Coucou, je te vois. Ah merde, mais il veut pas arrêter de taper Tonneau à côté de moi lui. Il va pas me lâcher, putain, il m'entend courir, du coup il va me suivre. Oh, c'est pas possible ça. Coucou. Oh merde, il y a un Evo. Oh bah t'inquiète, c'est bientôt mon Evo ça. Voilà, vu son niveau, à mon avis, je vais m'amuser. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et continue à me suivre. Hein. Et pas me lâcher. Hein. Si tu me lâches pas maintenant... Bon, ça change rien en fait. Si tu me lâches ou tu me lâches pas, je vais t'enculer dans tous les cas. Oh, il y a une T1 là-bas. Parfait, les gars. C'est ce que je voulais. Pas forcément avoir une T1, mais juste avoir une T1 pas très loin pour pouvoir me faire un endgame direct. J'ai caché du métal. Ah bah, il y a une T1 encore à gauche. Qu'il arrête de me suivre, lui, déjà. Je vais me faire un... Mais putain, con, arrête de me suivre, toi! T'as cru qu'on avait élevé les cochons ensemble, ou bien? J'ai staché du métal, du close, comme ça je me fais un Elgun, et je les bully. Là, ils vont pas comprendre que l'Oxum, ça va être à moi. Il est en train de recycler, l'autre, le rêve. Ah, il est au recycleur. Il faut pas qu'il voit que j'ai mis une stache, là. En fait, je les ai bully ce matin. Et là, il est en train de recycler, il a fait pas mal de tonneaux. Je vais me faire un Elgun, je le push, je l'encule. Ah, il est en voiture cycleur. Mmh. Oh, vas-y, viens vers moi. Viens vers moi. Secondes. 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ça c'est fait, merci pour le rêve. Hop, hop, hop. Et ça c'est mon stuff. Merci. Je t'apprendrai un jeu quand tu veux. Et merci. Trop facile ce jeu. D'ailleurs, si tu es ici, ça a dû faire mal. Y'a moyen qu'on puisse bully toutes les personnes qui essaient de s'installer. Bon, j'allais. Ah, mais y'a une pierre encore. Ah, faut que je la fasse vite fait. Ça, c'est pas très sympa, ça. Ça, c'est... Donc, moi, je suis en train de m'installer dans le coin, tu vois. Ouais, dégagez-les, s'il vous plaît. Ça va être le bordel.
Et après, il y a la... là, il y a une grosse base, mais il y en a une autre de l'autre côté encore. Oh, une potate. Oh, merci, mon Dieu. Pas fermer la porte ici. Je vais taper du bois, je vais craft une TC, je vais prendre ma slash. On est placé, mais parfaitement. Quand je suis venu dans cette oxyme, j'ai fait, mais attends, personne s'est calé au meilleur endroit. Ils sont pas prêts. Plus jamais, vous... Alors toi, toi, tu vas directement vers ma slash. D'accord. T'as cru quoi, toi? Non, mais oh. On va taper un peu de tonneau pour se faire du métal. Il nous faut notre T1, il nous faut du métal d'avance. Avant d'aller bully des gens, il nous faut du métal. Ah, oh, c'est un loup. Oh merde. C'est un gang. Putain, la merde. Laissez-moi tranquille. J'ai peur un petit peu quand même. Ah, les loups. Les loups, les poules, les cochons, tout. Je les hais dans ce jeu. J'ai rien dit, les loups. Venez hein. Pas vers moi. Hein. Je vous aime bien. Et ce guide qui ont été jetés? 4? Quoi? Allez, bim! 200 scrap. Et qu'on me dise pas que le sun c'est de la merde. Et la T1 est posée. Notre base est faite, on a la T1, on va se faire des petits lits autour de toute l'oxium, on va se faire un petit nail gun, et on va aller voir un petit peu tous les voisins autour pour savoir un petit peu, comme d'habitude, combien ils sont, comment ils sont armés, et s'il n'y a pas moyen de récupérer quelques petites armes sur eux. Ok, donc la grosse base avec les hélicos. Ça doit être la base en face. Qui a essayé de casser les tourelles de l'autre. Ok, intéressant. Merde. Là-bas. Ok. On va le suivre. Et on va le goumer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, il y a des grosses bases. Moi, ça me va. J'aime bien. Parti par là, mais... La base là en face. Ah ouais. Les calculs seraient bons, Kevin. Je le scie pas. Je le vois plus. Oh oui, c'est ici. Ils sont deux. Donc c'est les deux smics que j'ai vu tout à l'heure. Oh merde, s'il monte sur toi, je suis tellement fuck. Par contre, ça se dit pas. Ah, il y a une... Non, il y a pas d'autre porte de l'autre côté. Qu'est-ce que ça met des coups? Ah, il y a des portes en bois.
Mais elle est où? Je l'ai vu tomber. Mais elle est tombée où? Oh, c'est ouvert, frère. C'est ouvert. Bon bah la semi c'est fait. Je vais jouer la deuxième. Je vais prendre du bois. Ah mais attendez, on est d'accord que quand on les a entendus monter, j'ai pas pu voir s'ils montaient sur des demi-murs. Je vais venir avec un building plan et mon again, je pense. Je vais pas prendre la semi. Bon, je suis revenu Nelgan avec un building plan et du bois pour essayer de monter, mais pas de demi-mur, enfin pas assez de demi-mur pour que je puisse monter tout seul. Il me faut l'échelle, du coup je rentre à la maison, j'essaie de la prendre le plus rapidement possible, mais quand je reviens, il avait fermé les portes et il était parti à mon avis se faire une petite pause café parce que le coup du Nelgan, ça a dû lui faire bizarre. Après ça, pourquoi pas sortir à la SMI pour essayer de choper d'autres armes sur d'autres personnes. Oh, des fours. Oh, des fours. Bonjour. Plein de fours. Hello. Vide. 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 Oui. Bon, bah moi la peste, je pense partait sur de la richesse, tu vois. Genre du fer, genre de trucs, vous voyez. Pas sur bah y'a rien. Par contre, y'a peut-être un truc à piquer que ça là-dedans, mais j'ai pas mon caille. Du coup, ce serait bien qu'il y ait un rocher au sol quelque part là. Non, y'a pas. Il n'y a même pas de DC ici. Ouais. Oh, par contre, ça veut dire que je peux rentrer aux fenêtres, là. Si j'ai du bois, je rentre aux fenêtres. Il y a peut-être un monde où j'ai quelque chose, en haut. Moi, je propose de revenir avec du close et du bois. Ouais, il y a la vending en haut. Hein. Après, je pense pas avoir accès grâce aux fenêtres à la vending, mais on sait jamais. Qu'est-ce qu'ils vendent? Mais non. À quel moment, tout à l'heure, il y avait personne, maintenant il y a quelqu'un. Il va pas voir mon corps, mais faut pas qu'il soit là quand j'essaie de monter, quoi. Mais par contre, c'est peut-être le deep. Non, il sait pas qu'on se fait là. Il va pas chercher. Il va pas se poser des questions. Juste quand je vais passer, je vais être à 2 HP. Il risque de sortir, quoi. Puis peut-être il écoute de la musique, hein. Oh merde. Fais chier. Là ça va être compliqué. Genre elle m'a pas entendu quand je suis monté avec les pics. J'essaie de monter et de me relouter. Hein. Pour qu'il soit occupé. En train de crafter, regarder une vidéo YouTube. Bon, faut que je tue et que j'arrive à monter. Un seul demi-mur. Bon bah là j'ai le temps.
Ok. Soit je fuis, parce que j'ai une autre semi et des seringues. Soit je le joue. Deep, hein, bah oui. Il est parti où là? C'est faire le saut peut-être? Non, allez, en chill. Oh merde. T'es deux? Moi j'ai une question les gars, comment on sort? Une question parmi tant d'autres tu vois? Ah bah j'ai trouvé, c'est bon. Mais non, c'était le moment que je passe là. Oh! Ah bah, elle est montée. Ah merde! Je l'ai pas entendu monter les, ouvrir les portes de garage. Enfin, j'ai entendu ouvrir une porte, mais je me suis dit j'avais le temps. Si j'avais pas chié mon premier truc, c'était bon. Je pensais qu'il avait une semi dans les mains, c'est pour ça que je suis remonté. Ah, c'était un pipe. Quand même attendu que je me casse. Hein. Mais il a joué intelligent en vrai. Y'a un mec staff, 78 HP. Il est tenu ninja lui aussi. Incapable de dire sans l'arme qu'il avait. Oh, j'ai une tête de chat. J'étais obligé de ressortir ma SMI. L'autre SMI. Hein. Nickel. Je l'avais la SMG. C'est mon voisin, celui d'en face. L'autre là, le premier. Le premier à qui j'ai piqué les SMI. Je vais rentrer direct, je pense. Ah non! Je me suis trompé? Mais non, c'est pas lui. Il est pas rentré direct? Il est là-bas? What? Ils sont deux? Ah, le calcul était pas bon, Kevin. Il y a un Naked, une semi 13 balles, 50 HP. On va pouvoir surprendre. Pas qu'il tire. S'il tire, je peux savoir où il est. Sinon, je peux pas. Il doit vivre dans le coin, lui. Il m'avait vu en fait, hein. Il m'avait vu. Faut que tu tires, hein. Sinon je sais pas où t'es, je vais me faire bully. Hein.
Ok. Je pense qu'il vit ici. Bref, si c'est encore quelqu'un qui rentre chez lui, qui s'en sort plus, ça m'arrange pas trop, quoi. Et ben, on va faire une autre sortie net gun. Et on va bien réussir à choper quelque chose sur quelqu'un. Juste, faut que je sache où habite SMG. Pour moi, elle habite ici. C'est l'une des bases les mieux évoluées du coin. Et elle est partie par là-bas. Après, les pseudos, comme d'hab, hein, je regarde pas, donc j'arrive pas à savoir qui vient d'où. Et de pas regarder. Ah tiens, c'est lui. Si j'arrive en bully 1, tombe la carte. Mais quoi? Mais que... Je comprends rien. La SMG, je comprends pas d'où elle est arrivée. D'accord. C'est mon voisin préféré celui-là. Hein. Ah bah clair et net, hein. Je t'aime. Hein. Je perds une arme, tu me redonnes une arme et 500 close. Merci du fond du cul. Par contre, la SMG, il va falloir que je trouve la bite. Hein. Je suis un petit peu enjaillé sur les clowns de gun. Allez, Soon. Jenelle. Jenelle va être une personne très importante de notre wipe. Merci pour le DB. Ah c'est fait, j'avais pas le DP. C'est Monoxium. Lui doit se dire, mais putain, c'est pas possible. J'en ai marre de ce mec. Laisse-moi tranquille. Ah bah non, fallait pas me donner des armes. C'est à partir du moment où tu m'as donné des armes, j'ai envie d'aller en récupérer d'autres encore. C'est chiant, hein. Mais c'est comme ça, quoi. J'ai envie. Ce serait bien de au moins une icombe notre maison. Ça, en vrai, il vient avec 10 satchels, c'est fini. Je sais que. Ah, s'il vient avec. Ouais. Ah, il peut venir avec 8 satchels. Hein. J'ai plus de maison. Hein. Oh bah je vais mourir.
Ah, flèche enflammée, hein. Son move était débile. Mais son pote était intelligent, quoi. Par contre, je suis sûr que je me fais camper, quoi. Oh, je me fais pas camper. Ah, il est trop loin. Ils sont deux. J'ai 20. Ah, soleil. C'est mon phare. Je suis venu ici pour souffrir, ok? Je me fais camper par un loup. Il y a un mec qui contacte à chez moi. Pas bon signe ça. C'est le début. C'est quoi le début? Je sais, il y avait de la pierre là-bas. Ah oh, bah il y a de la pierre ici aussi. Bande de troufions. C'est sûr qu'il est en train de préparer ce qu'il faut. Ça pue pour mon cul, ça. On reste sur la crocrobase. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo tuto, parce qu'il y a plein de monde qui me la demande. Putain, il est tellement simple. C'est vrai que... Il y en a plein qui savent pas quoi faire en solo. Ils font souvent des 2-2, mais franchement, les 2-2, je trouve que c'est de la merde. Je veux ton lance-flamme, toi. Oh merde, je suis passé dans les piques. Il a un lance-flamme dans le dos. Donne-moi ton lance-flamme, putain. Arrête de bouger. Fesse gauche. Regardez vers le port. Je sais pas ce qu'il regarde. Viens, il cherche quelqu'un. Peut-être que c'est des coéquipiers où on va mettre lance-flamme. Regardez vers le port. Ils sont allés au port. Ça. Oh, c'est un stuff. Hein. Ils étaient deux, hein. J'en ai vu qu'un là.
Il jouera pas en Elgen, frère. Je joue à port. Bon, ils étaient stuff, mais pas stuff, quoi. T'es kikaboudin. Il est bon. Ah non. Ah ouais, non. Tenu rien d'aller éclater. Ah, viens cette arme là. Des trucs. What? Il est une 92. Ah merde. Mais j'ai cru que c'était un bat moi qui tirait. Ouais, il y a quelqu'un qui m'attend en haut, c'est sûr, mais on m'en bat les couilles. Faut que je tente de les tuer au SM. Il est où son pote? C'était deux. Je vois, il est loin. Eh ben ça c'est fait. C'est pas mon arme à la lance, le M92. Déteste ça. Dans la journée, je trouve une montgolfière et je me dis, il y a tellement de grosses bases autour qu'il y a énormément moyen de se poser sur l'une d'elles et de tenter un petit move. En vrai, ça peut passer. Qu'il y a des toiles quand même. Ok, donc déjà là c'est pas assez, quoique. Ils ont encore un hélico là-bas.
Faut que j'aille par là. Mais ce qui est plus difficile, c'est de vraiment se poser pile poil où on veut. Là, c'est très très dur. Dommage! Ah, il m'a mis trop l'eau! Ah! J'aurais pu les dip jusqu'en bas, j'étais con. J'aurais dû passer devant lui. Bon, c'est pas grave, ça se tentait. Franchement, on est passé à deux poils de cul de réussir à les dip jusqu'en bas, mais à mon avis, ils sont pas que deux dans cette base. Après ça, je pars farmer et je découvre une petite base qui est en train de décaille. Le métal décaille, mais pas la pierre, donc c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose dedans de très intéressant. J'essaie de prendre quelques satchels et de péter la porte qui est en train de décaille. On va aller raid la base qui décaille. Pitié de ça va être rentable, hein. On sait jamais. Bon, j'ai plus d'FPS quand ça tape les sachets. Ça y est. Si elle foire, je vais chercher une autre hache. Oh, une autre porte, sérieux? Oh, T3! Oh non, il y a TC! Oh merde! Oh, mais lol! Oh, mais lol! Mais non! Je vais mourir. Mais quoi? Oh mais... C'est rentable de fou. Là c'est bingo là. Là T3 c'est bingo. Là c'est bingo sa mère. C'est pas foufou ça mais bon c'est pas grave. Oh les compos. Je me demande ce qu'il y a derrière là. Avec ce raid, on se met extrêmement bien, on récupère une T3, pas mal de compos, pas mal de ressources, franchement, on se met vraiment très très bien. Faut savoir que je suis solo et j'ai pas les BP. Avoir une T3 comme ça, pour moi, c'est juste magnifique. Bon, puis les compos, puis tout ce qui va avec, franchement, c'est génial. Du coup, j'ai appris plein de choses dans la T2 et j'ai décidé de mettre des grands fonds et des vendings. Vu que le serveur avait BP, je me suis dit que faire des vendings allait être très intéressant. Et pendant que j'étais en train de faire mes vendings, quelque chose d'exceptionnel est en train de se passer à côté de chez moi. Ça doit faire mal ça. Normalement,
Vu ce qui vient de se passer, je vais l'écouteur. Je vais ramener du rocket, c'est sûr. Oh la vache, feu d'artifice. Oh, ah ouais, non, mais jamais je m'approche là. Peut-être en nageant. Oh là là. Jamais je m'approche, 140. Jamais je peux monter. Hein. Ah si, ils sont on, hein. Ça tire. Y'a un scrapudi? C'est un counter? Non, c'est pas un counter. Ah non, c'est pas un counter. Jamais je peux avancer. Ah mais lui je pourrais le goumer hein. Mais il veut pas. Je sais que je peux passer par là. Là, il y a une M2 qui est venue counter, je crois. Je crois qu'il y a une M2 qui vient counter. Potentiellement, je peux essayer de les bully. À 87. Ah, il est mort. Le 96 M2 doit être par là. Je la vois. La M2, je la vois, elle est là-bas. Je vais la découper, frère. Fais chier, je suis en blanc, quoi. Il est où le corps? Il y a un pot de truc à gauche, mais si je vais le chercher, je risque de mourir. J'ai eu trop de chat. Les deux, ils sont morts par les mecs du raid. J'ai tout récupéré. Mais il y avait une M2 dans le counter raid, non? Et 96, les gars, c'est trop bien. Je me suis trop refait, là. Ah bah ouais hein.
Ça pique. Ils vont changer de cible. Y'a moyen, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Je pense qu'on vient de se mettre à dos la team qu'il fallait pas énerver dans la zone. Après ça, ils ont enchaîné directement sur un raid d'une autre base juste à côté. Moi, j'en ai profité pour casser toutes les tourelles du raid qu'ils avaient fait. Et je suis en même temps, j'ai regardé s'il restait quelques petits trucs à looter. Et puis, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Du coup, le seul truc que j'ai pu récupérer, c'est les tourelles. Les armes dans les tourelles, donc au moins une dizaine, une quinzaine de pitons. Des balles. Je mets tout dans ma vending. Comme ça, je vais me faire un max de sulfure. Du coup, je décide d'aller cramer un maximum de bases en bois autour pour essayer de récupérer beaucoup de ressources pour améliorer cette base le plus rapidement possible. Mais jamais rien ne se passe comme prévu. Ah merde. Et merde. Faut que j'aille me le faire lui. Ça recycle. Hein. J'ai vu. Je vais pas tuer le bon. À mon avis, il y en avait un de vie de foule. Là, ils font le train. S'ils recyclent des tenues rades, les gars, c'est pour du close. L'autre, il devait être bien gras niveau close. Pas mal de cailloux là-bas. Hein. Faut que je tape des cailloux, les gars. La maison, elle est pas assez costaud. Faut au moins que j'ai une combe en métal à cet endroit. Si je veux les raids, il me faudra du soufre. Faut bien que je remplisse mes vending machines. Oh, mais non. Je suis obligé d'y aller, là. Ils sont deux. Faut oublier ça.
Mais non, je pensais qu'ils étaient que deux, ils sont trois. Cette action aurait pu passer. On pourrait se dire. On va abandonner, ça sert à rien, ils sont trop nombreux. Mais on va pas abandonner, on va y retourner. Il y a moyen de les bully, et on va se les faire. Alors, est-ce qu'il va juste prendre les ressources? Ouais, non. Disons, il a pris les parties. À mon avis, ses potes, ils habitent juste à côté, ils se sont déjà reloutés. Il est parti où? Semblait un petit peu nul. On va mettre ça à vendre. Bon bah c'était mon piton, j'ai récupéré. Vous pouvez aller les racheter, y a pas de problème, c'est avec plaisir. Ce sera sulfure pour vos raids demain matin. Tout sera dans ma vending machine. Tu peux y aller, y'a pas de problème. D'ailleurs faut peut-être que j'améliore en métal ma vending. Oh, merde, mais tout ce que j'ai jeté en haut là, ça va des pop. Hein. Un peu greedy de partir le chercher, sachant qu'il risque de revenir par là. Ah, c'est pas grave. Normalement, ça devrait pas dépop. Python, je l'ai pris. Bah, bien sûr, ça se vend, Python. J'ai pris. Attends, mais quelle question. Non, j'ai pas oublié de te... j'ai soin d'un. Pas si clair.
Regardez, y'a un mec staff carré. Non, merde, ils étaient deux, j'ai pas vu le deuxième. Je l'ai vu. Je l'ai vu, leur cycle. Un A4 qui a eu la Tommy, il a fait quoi ensuite? Il est mort. J'ai un doute. La Tommy elle a pas le temps de lui tirer dessus, je l'ai wounded. Non, pour moi non. Non. Il est pas mort, il est dans le coin. Soit il se cache, soit il s'est barré avec la Thompson. Je pense qu'on va... On a deux semi. La Tommy, Nick. On va aller chercher notre lance-flamme. On va pas grider plus. Laquelle il doit m'attendre dans un coin. J'ai pas envie de me faire baiser. Beaucoup de sulfure ici. Oh là là, beaucoup de sulfure ici. Bah non, peut-être pas en fait. On va revenir plus tard. Le mec est au cas. Bizarre qu'il vienne direct vers moi là. Et, bizarre de fou ça. On va aller banquer quand même. On se met vraiment très bien avec ces fights. En plus de ça, j'ai réussi à découvrir où ils habitaient. Donc, je décide de partir farmer du métal et du soufre. Je me suis préparé des grands fours, j'ai tout qui est prêt. Tout ce qu'il me faut, c'est du sulfure. Il va falloir partir farmer. Et comme d'habitude, ça ne se passera pas comme prévu. Je farme un petit peu. Après... Ah merde, ils sont deux. Non, c'est un inquiète. Je suis en tenue hazmat.
Mais non! Je voulais le contourner, mais il avait toujours un visu sur moi. Ah, mais la réaction des mecs était hyper rapide. Ils sont directement revenus avec un hélicoptère. J'ai rien pu faire. Je pense que même si j'avais réussi à les buter, il est fort probable que j'aurais jamais pu ramener le stuff. Et dans tous les cas, je pense que ma maison, il serait passé, c'est sûr. Après ça, j'ai continué à farmer pour avoir les satchels qu'il me fallait pour pouvoir raid mon voisin. Donc je vous emmène directement vers le raid. J'allais y retourner en plus, hein. Puis à ce moment-là... T'as le pète vite, hein. Ah, merde. Il y en a une autre encore après, hein. Tu la chattes avec les satchels ou ça se passe comment? Fait tout d'un coup. Oh la TC. Bien, je pourrais finir mon raid demain. Vu que j'avais eu la TC, je me suis dit, le raid, je le continuerai demain. Ce soir, je coupe le stream. Je vais aller farmer un petit peu, tranquillou, hors stream, juste pour alimenter les fours, améliorer la maison et commencer à préparer pour le raid de demain. Sauf que ça ne s'est pas passé du tout comme prévu. Juste pour vous dire que ces enregistrements, ils ont été faits hors live. Et peut-être, potentiellement, j'ai oublié d'activer le son. Donc, il n'y aura pas de son. Mais je vous mets le plus important, juste pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé sur les grandes lignes. Là, j'étais parti farmer, et je commence à repartir un petit peu vers chez moi, parce que j'entends des roquettes en direction de ma base. Et quand je fais les calculs, je me rends vite compte que la plupart des bases autour de chez moi ont déjà été raides, et ne méritent pas, pour les restes des petites bases, autant de roquettes. Donc je me dis qu'il est fort probable que le fait d'avoir mis des vending machines contre du sulfure n'a pas forcément plu à tout le monde. Ils avaient attaqué mes grands fours et mes vendings. Je me suis dépêché de vite tous les tuer et j'ai refermé très rapidement. Et après, je me suis dit, je vais quand même attendre dans un coin, dans une fougère, pour voir s'ils reviennent. Et je me suis rendu compte que les mecs qui étaient dans mes grands fours, c'était pas les mecs qui avaient raid, c'était juste des mecs à eux qui étaient là juste pour stay le temps que les autres reviennent avec des roquettes en plus. Là, actuellement, ils sont au moins une dizaine. Il y en a sur le toit, il y en a tout autour de la maison. J'essaye de les tuer, j'essaye de tenir, mais franchement, j'ai été débordé, ils étaient beaucoup trop nombreux. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait faire que je réussisse à reprendre le dessus, c'est un counter.
J'ai réussi à leur mettre une petite claque sous le cul juste avant la fin. Même si eux, franchement, ils ont réussi le raid. GG à eux, ils ont réussi à aller jusqu'à l'ATC. C'était du on, c'était cool. Ouais, du on 1v12, je peux te dire que... mes chances étaient minces. Mais c'était cool. J'ai quand même réussi à prendre pas mal de BP. Du coup, c'est cool. Je retournerai sur ce serveur. J'espère les re-rencontrer. Et ce coup-ci, je serai préparé. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À dimanche prochain ou à ce dimanche en live. Tchou les doudes.